Bonjour à tous, tous s'entendant au féminin et au masculin. Et on commence par le féminin naturellement. Nous sommes, je crois pouvoir dire que nous sommes, Philippe et moi, très heureux de vous retrouver pour un événement qui, chaque année, est en progression et aussi en exigence de progrès sur l'année précédente. Et j'étais très content, en me promenant tout à l'heure dans la ville, de voir écrit « Envie de vivre ». Il y a des mots qui s'entendent bien et qui s'écrivent mal, mais ces trois-là sont des mots qui non seulement s'entendent bien, mais s'écrivent bien. Il y a un effet positif de ces mots « envie » et « vivre » présentés ensemble. Vous savez bien ce que nous avons à l'esprit dans cet événement, qui est un événement que nous croyons profondément généreux. Il est généreux parce que, vous savez que nous avons une règle qui est que tout le monde, sans exception, dans cet événement, est bénévole. À la fois les organisateurs et les participants, ceux qui viennent parler avec nous. Ils sont invités, nous les invitons, Philippe et moi, sur un seul critère, c'est que nous les trouvons intéressants, intelligents, charmant, passionnant, fascinant pour quelques-uns, autrement dit qu'ils nous plaisent. Parce que comme ça, nous sommes assurés que, vous connaissez l'adage, les amis de mes amis sont mes amis, nous sommes assurés que non seulement on va être heureux de les voir, mais qu'ils vont être heureux de se voir entre eux. Parce que forcément, si nous avons de l'estime, de l'amitié, de l'affection pour eux, et eux pour nous, parce qu'ils viennent pour ça, ils viennent pour nos beaux yeux, pour vos beaux yeux, alors on est assuré que le climat particulier de cet événement va être très important. Je dis que c'est un événement généreux aussi parce que chacun, chacune et chacun d'entre eux vient partager avec nous ce qu'ils ont de plus précieux. Comme réflexion, comme travail, comme découverte, et aussi comme découverte de soi-même, ce qui n'est pas la moindre des découvertes qu'on puisse conduire. Et donc, c'est généreux. Et c'est généreux aussi parce que, évidemment, c'est ouvert, et nous y tenons absolument, c'est ouvert à tout le monde, sans qu'il y ait la moindre préoccupation de compétences ou, je ne sais pas, d'études pour tous ceux qui viennent, c'est exactement le contraire. C'est un événement de la plus haute exigence. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. C'est un événement de la plus haute exigence offert sans qu'il y ait la moindre revendication de compétences ou de formation pour ceux qui viennent. C'est un événement pour tous, et si j'ose dire, encore davantage pour ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter ce genre de débat ou de réflexion. Donc nous sommes, Philippe et moi, particulièrement heureux du plateau, de ceux des invités, vous connaissez leur nom, qui ont accepté de venir nous rencontrer, vous rencontrer. Quand nous avons eu l'idée, il y a longtemps, il y a 8 ans, puisque c'était la première année de notre élection, quand nous avons eu l'idée de cet événement, j'ai voulu le placer sous ou dans le cadre des échanges d'idées dans une société comme la nôtre. Et ce sont des échanges approfondis puisque, comme vous savez, contrairement à ce que tous les autres événements de ce genre font, il n'y a jamais chez nous de combat de coq.
On n'invite pas monsieur un tel qui est d'un côté contre madame une telle qui serait de l'autre, des gens qui ne peuvent pas se voir, un climato-sceptique contre un écologiste. Ça fait du buzz, ça intéresse, mais ça ne permet pas d'approfondir les choses. Nous avons, en particulier grâce à l'intervieweur hors norme qui est Philippe Lapousterle, je ne suis pas là pour lui cirer les godasses, d'abord il n'a pas des godasses cirables. Mais... Je me prémunis. mais je pense vraiment que c'est... Bon, je le dis comme je le pense, je pense que c'est le meilleur intervieweur français, et je le pense depuis très longtemps. Donc, et ça ne se dément pas. Et je ne connais personne qui pense le contraire parmi tous ceux qui ont eu l'occasion d'être très nombreux, d'être interviewés par lui. Voilà, parce que, c'est le dernier point, c'est un événement qui est censé avoir des antennes, essayer de sentir ce qui se passe dans le tréfonds des êtres que nous sommes tous et de la société que nous formons tous ensemble. On vit des temps qui ne sont pas des temps faciles, on vit des temps qui sont terriblement exigeants, un défi pour l'attitude facile qui a été celle de générations entières, ou du moins on avait l'impression. C'est des temps qui sont bouleversants et bouleversés. Et c'est pour sentir cette évolution. Il y a une phrase de Nietzsche dans Zarathoustra que j'aime beaucoup. Il dit « Les idées qui mènent le monde arrivent silencieusement comme sur des pattes de colombe. » On ne les voit pas venir. Et si vous réfléchissez au grand bouleversement de l'humanité, assez souvent, c'est les pattes de colombe qui ont marqué l'arrivée des idées. Alors, cet événement est fait pour qu'on puisse sentir ou entendre les idées qui arrivent comme sur des pattes de colombe. Merci à tous d'être là. Merci, François, de ces gentils mots, à mon égard notamment. Je voulais te dire deux petites choses sur le titre « Les idées mènent le monde », dont je considère que ce soir, c'est la preuve. Et deuxièmement, sur « Envie de vivre », le titre de cette édition. « Les idées mènent le monde », pour moi, c'est un titre que François Bayrou avait en tête. Et bien avant son élection, il m'avait dit « Tu sais, si je suis élu, maire de Pau, je ferai à Pau une rencontre, des rencontres littéraires dont j'espère qu'elles seront de grandes rencontres littéraires. Cette ville mérite ça. » Et donc, nous sommes re-rencontrés à ce moment-là, puisque moi, j'organisais à ce moment-là à Montpellier, Fête du Livre, où il y avait aussi beaucoup de gens. Et c'est ce qui m'a frappé, c'est que lui, il avait confiance. Il disait, moi, je connais les Palois. Je sais que si on leur présente, si on leur donne l'occasion de venir dans une réunion de ce genre, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, ce sera important pour la ville, pour se hisser, les gens et nous, se hisser à un niveau que l'on n'a pas encore connu à Pau. C'était humble comme démarche, parce que l'ambition était forte, mais on ne sait jamais si ça va aller ou non. Et donc, beaucoup de gens disaient, mais à Pau, quand même, vous imaginez faire venir gratuitement des gens qui ont en général des cachets extraordinaires pour venir, qui se déplacent. Et deuxièmement, Pau, ce n'est pas une ville de tradition littéraire, les éditeurs hésitaient, est-ce qu'on demande aux gens de venir ou pas, etc. Bref, il y avait beaucoup de raisons pour être réservé. Mais dans la vie, pour avoir confiance, il faut faire confiance. Et il a eu confiance. Il s'est dit, si nous parvenons à partir de... Ça n'existait pas quelque chose de ce genre. Alors, à leur offrir, aux Palois, Paloises et des gens de la région, si on leur offre ce que les plus grandes rencontres en France sont capables de faire, alors il va se passer quelque chose à Pau. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Depuis, Pau est dans l'agenda des éditeurs français. Des auteurs disent, moi j'ai envie d'aller... Aux idées mènent le monde à Pau. Des gens cette année qui étaient invités ailleurs
vont un jour ailleurs et un jour à Pau parce qu'ils ont envie de venir ici, plusieurs cette année, pour vous dire les idées mènent le monde. C'est une idée. Elle a transformé la réputation de la ville. Et tout ça, c'est parce que vous, vous avez répondu. Parce que, encore une fois, pour avoir confiance, il faut faire confiance. Et la confiance est venue de votre côté qui fait que je vous promets, moi je connais ça depuis longtemps, les fêtes du livre, je vous promets que Pau maintenant a une réputation au top. Au top. Pau, c'est un événement littéraire important, un événement intellectuel important. Donc ça, c'est la première chose. C'est la preuve que les idées mènent le monde. C'est pas acquis. C'est pas acquis. Et la deuxième chose, c'est désir de vivre. Pareil. Pareil. Pour avoir le désir de vivre, il faut faire confiance. Sinon, il ne peut pas y avoir de désir de vivre. Je rappelais, il y a quelques jours, grand corps malade. À 20 ans, il s'effondre. Il plonge, il tombe sur du ciment. La tête éclate. Trois mois de coma. Il se réveille du coma. La tête, les bras n'obéissent plus. Les jambes n'obéissent plus. Il y a juste un cœur qui bat et la tête qui est complètement déconnectée de tout le reste. Et il dit à ce moment-là, j'ai perdu mes mains, j'ai perdu mes jambes, l'usage de mes jambes. Il me reste une seule chose, le désir de vivre. Le désir de vivre. Vous vous rendez compte? Et là aussi, et il y a un lien finalement entre les idées mènent le monde et le désir de vivre. On le voit là, dans le fait que quand on fait confiance, on ne peut pas imaginer... avoir un désir de vivre ou imaginer que les idées puissent venir au monde si on ne fait pas confiance. C'est une question de choses ensemble entre une population, un responsable politique, un responsable culturel, etc. Et tous ceux qui ont ouvert leurs bras à leur population dans les événements culturels ont eu ce retour. Voilà. Donc je voulais vraiment te le dire en face. Je ne te l'ai même jamais dit comme ça. Mais voilà. Je l'ai fait à Montpellier, moi. Et je me souviens de Georges Frêche qui disait « Montpellier, c'est une ville de province au bord de la mer, personne ne viendra jamais, etc. » Et puis, le temps passant, moi, je suis mi-Sévenol, mi-Bernay. Donc, j'ai connu les deux. Et on disait « Mais c'est un mythomane. » Montpellier, 100 000 personnes à la fête du Libre. Bon, c'est beaucoup plus... Il y a 280 000 habitants. Et il a dit « Un jour, je terminerai en faisant la une d'un journal américain. » Il a eu la une d'un journal américain. Montpellier, ville modèle. Quand on a le désir de vivre, ce qui est impossible devient possible. Voilà. On a fini, hein, rassurez-vous. Ça va être beaucoup plus intéressant maintenant, mais je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une anecdote absolument vraie, un peu vache, je dois dire. Mais comme je ne prononcerai pas de nom, je vais me contenter de l'anecdote. Quand j'ai présenté... devant les conseils divers et variés de notre ville et de notre agglomération, cet événement, la première fois, j'ai expliqué exactement les principes qui seraient ceux-là, et j'ai en particulier expliqué que notre idée était de faire venir les plus reconnus des participants au débat intellectuel, public, civique, scientifique français, artistique français, littéraire, philosophique, et j'ai dit, et ils viendront bénévolement. Nous ne les paierons pas. À ce moment-là, un des responsables de mon opposition, je ne dis pas de nom, a dit, il a demandé la parole, il a dit, mais si on ne les paie pas, pourquoi viendraient-ils à Pau? Ce qui était pour moi quelque chose d'incroyablement révélateur. Parce que notre ennemi, c'est la haine de soi. C'est l'idée que nous nous considérions comme non dignes, que viennent à nous les plus grands du débat, de la sensibilité, de la créativité française. Et moi, j'ai la réponse. S'ils sont bénévoles, s'ils viennent généreusement, pourquoi et pour qui viennent-ils à Pau? Ils viennent pour vous. Et c'est pourquoi on est très heureux de vous voir. Merci beaucoup.